ça? Hein, qu'est-ce qui s'est passé? Elle a sûrement fait faire des rénaux, et Henry a dû emprunter le camion. Ce Pomard a toujours été bon en impro. Ils sont peut-être à l'intérieur. Essaye l'interface. Bon, ok. Eh ben, on va continuer de chercher. Joli. Yes. Voilà. Entrez par là. Viens voir. Bon, lui aussi, une petite baraque sympathique. Bon, après, c'est moins luxueux que Kerry, mais... ça reste quand même sympa. Mais t'es taré ou quoi? Ah bah putain. Ça me rappelle de mauvais souvenirs. V, c'est vraiment taré. Ah, tu tombes bien. On a un problème. C'est ta putain de piscine. Tu te renforces, ça? Juste au cas où t'oublierais ce que t'es venu faire ici à la base. C'est Kiri qui m'envoie. Ouais, elle le plaisante pas, elle. Pour le concert. Quel concert? Et pourquoi il vient pas me parler lui-même? Écoute, c'est gênant. Kiri vous considère tous les deux comme ses amis. Oh, il est vraiment trop chou. Surtout quand on sait que c'est lui qui a amené cet étron fumant chez moi. On reforme Samouraï. Pour une soirée seulement. Quoi? Alors c'est pour ça qu'il veut tous nous réunir? C'est touchant, mais y a pas moyen. Il est pas question que je joue avec cette tâche. Denny! Non. J'ai dit non. C'est lui ou moi. Alors à vous de choisir. Denny fait sa tête de mule. On est foutus. Est-ce que tout va bien? Trop pas, mec! Denny veut pas de moi au concert! Et on s'était déjà arrangé, et tout! Attends. Tu veux dire que Kerry te paye? Alors c'est ça? Ah, c'est génial, putain. Dans ce cas, débarrasse-moi de lui et foutez le camp de ma pelouse! M'oblige pas à choisir. Va falloir se passer d'un des deux loustiques. C'est pas un problème. Pour un concert, on trouvera bien un remplaçant. Mais bon, ce sera pas pareil. Ça sera plus jamais pareil, Kerry. Peut-être que si quelqu'un me disait ce qui s'est passé... T'es aveugle? Cet enfoiré a rempli ma piscine de ciment. Il avait peut-être une bonne raison. Lui? Une bonne raison? Piscine de ciment? Ah ouais. Ah ouais, d'accord, ok. Qu'est-ce qui t'a pris de faire ça à sa piscine? Tu savais que Kerry voulait convaincre Denny de jouer avec nous. Je voulais juste mettre les choses au clair. Premios, putain. La décision te revient, je pense. Putain, ça me rend fou. Denny prend son pied à imposer ses conditions. Et à côté de ça, Henry a les fils qui se touchent. On peut pas lui faire confiance. Merci. Ça m'aide vachement. Je vais prendre Denny parce qu'elle a été de ses épaules. À choisir, on devrait jouer avec Denny. Putain, Kerry, t'es sérieux là? Ah, mais c'est elle qui fait chier son monde là, c'est pas moi! Bon, écoute, je vais te filer. C'est quoi, Kerry? Je t'emmerde! Et heureusement que Silverhand n'est pas là pour voir ça. T'as fini? Casse-toi. Bon. Et pour Nancy alors? On l'a contactée. Elle va tout organiser et elle nous tiendra au courant. Ah. On se voit au concert. Attends. Faut que je trouve quelqu'un pour nettoyer ça. Mec. Il se casse? Bon, on peut pas faire plus pour l'instant. À part attendre que Nancy appelle. Bah si. Attendre. On va aller à 8h, voilà.
I like Supreme. Oh. C'est vrai que c'est marrant, le coup du ciment. J'avais pas vu la bétonnière. Oh, je suis aveugle. Ah ouais, non, le mec... Le mec, il s'est fait... Ah. Pas mal, pas mal, pas mal. Propre, propre. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Est-ce que tout va bien? Non. La vue de cet abruti m'a rappelé à quel point ça n'allait pas du tout. Mais t'inquiète pas. Ça me sera passé d'ici le concert. Je me demande ce qu'Henry lui a fait. C'est sa faute à lui, au final? Bah, en temps normal, Danny est pas une connasse hystérique. Je pense qu'elle savait qu'Henry tenait vraiment à ce concert. Elle s'en foutait sûrement pas mal de sa piscine. Ok, du coup, hop. Je vais faire ça. Ah bah voilà. Salut. Je nous ai organisé le concert aux petits oignons. Ce soir, au Red Dirt. T'as parlé à Kerry? Il a pas changé d'avis? C'est bon? Non, non, pas du tout. En fait, il est même super excité. Je l'ai pas vu comme ça depuis l'époque de Silver End. Et Henry alors? Il vient toujours pas? J'ai même pas essayé. J'ai pas de temps à perdre avec ce tocard. Bon, bah, on se voit ce soir. Et t'inquiète pas pour ta gratte, je me suis occupé du matos. Ah. Il a disparu. Allez, on va se TP. Et une en moins. Alors. J'en reviens dans une minute. Salut, V. V. Ah, elle est mieux comme ça, bombe scellée. Je sais pas si tu le sais, mais elle était à Silver End il y a longtemps. God. Merde alors. Nancy sait y faire. On devrait lui murmurer Mikoshi à l'oreille et on serait tout bon. La Deluse Orphéane. Tu te souviens du grave de samouraï dans Heywood, là où il y avait la boulangerie? Ils ont repeint par-dessus il y a un bout de temps, mais ouais. Johnny avait l'Orphéane dessus. Bien vu. Où tu l'as trouvée? Elle est nickel. Comme neuve. Je l'ai achetée à un collectionneur privé. J'aime que tout soit parfait dans les moindres détails. Ça vire à l'obsession des fois, mais c'est vrai qu'elle se donne du mal. Comment tu te sens avant le concert? Bizarre.
comme si j'allais faire semblant d'être moi-même. Et Johnny est pas là. J'aurais jamais cru dire ça un jour, mais il me manque, ce con. Et si tu me disais ce qui s'est passé avec Henry? C'est de l'histoire ancienne. Il se mettait systématiquement dans la merde et je devais l'en sortir. T'as fini par en avoir marre de te salir les mains? Tout le contraire. J'avais réussi à lui dégoter un concert avec un bon groupe. Henry avait arrêté la drogue, il s'était ressaisi. Tout allait super bien. Et c'est là qu'il m'a dégagé de sa vie. Il avait plus besoin de toi. Pendant un temps, il a passé un mois à faire la teuf avec ses nouveaux potes. Après quoi, ils l'ont viré du groupe parce qu'il recommençait à tourner mal. Je l'ai croisé dans la rue, un vrai déchet. Spomar a même fait semblant de s'évanouir pour que je craque. T'as fait quoi? Je l'ai laissé là. Et j'ai tout fait pour être sûr qu'il me retrouve jamais. Où est Kerry? Il devrait pas tarder. Il m'a dit que tu jouais super bien. Ça a intérêt à être vrai, parce qu'il n'y aura pas de répétition générale. Ouais, c'est vrai qu'on affiche complet, là. Franchement, j'ai aucune idée de qui sont ces gens. Des pommards. Kerry voulait pas que ça s'ébruite. Ouais, bah, c'est ce qu'on verra. Tu crois que les médias sont au courant? Bien sûr, c'est chacal. Je m'en ferai plus pour le remplaçant d'Henry. Kerry a demandé à Drosine de Cutthroat de nous rejoindre. Je le connais, je l'ai déjà vu jouer. Eh, il est bon ou... Ça va, il se débrouille. C'est toi l'inconnu dans cette équation. C'est l'heure des cachets, sois discret. Et si je me remets à cracher du sang? Fais pas une scène, c'est une grosse soirée pour Kerry. J'ai comme l'impression que Nancy pense que je suis pas à la hauteur. Bah, elle a raison. Ok. T'es prêt à mettre le feu? Je sais pas. C'est peut-être pas une bonne idée. Et tu me dis ça maintenant? C'est de pire en pire. Le concert en vaut peut-être pas la peine. Très bien, monte sur scène. Je vais me poser et t'écouter en saignant des oreilles. Bon, ok. T'as gagné. Éclate-toi bien. T'es là. Voilà Drosine, de Cutthroat. Salut, j'adore ce qu'ils font. Toi aussi? J'ai tous leurs albums, j'aurais jamais cru. Relax, que... Choum, c'est une béquille comme toi. Si tu veux parler à une vraie star, c'est à moi qu'il faut parler. Et arrête de trembler. Je crois que je tremble autant que lui. Peut-être même plus. Bon, allez, c'est parti. Hear the wish of the
J'avais l'impression d'avoir quelque chose à prouver. À moi, à toi. Je sais pas. Mais à l'arrivée, je me suis bien éclaté. C'est clair. Les losers disent tout le temps ça. Qu'ils étaient juste là pour s'éclater. Tu te crois toujours meilleur que moi. Et comment? Mais tiens, ça t'aidera peut-être. T'es sûr? Je jouerais pas sans toi. Ça serait pas la même chose. Je vois ce que t'essaies de faire. Mais moi, je vais continuer à jouer. Tu veux entendre à nouveau? Johnny! Il est... parti, hein? Ouais. Mais il t'entend toujours. Merci. Je suis pas d'humeur à faire tourner les tables et à invoquer les esprits, là, tout de suite. Tiens, tu ferais peut-être mieux de le garder. Comment c'était le concert? Mega Premios. Samurai a trouvé son nouveau son. Je suis dégoûté d'avoir loupé ça. Bah, tu peux toujours venir à mes concerts. Il fallait pas, vraiment. C'est le flingue avec lequel j'ai failli tuer Johnny quand il s'est infiltré chez moi. En gros, t'as failli me tuer, quoi. Ouais, et avant ça... Bon, laisse tomber. Cool. Oh, j'ai l'impression de m'être endormi et de me réveiller 50 ans plus tard. Allez, au boulot. Prends soin de toi, V. On reste en contact. Alors, c'était pas si terrible, hein? Dommage que Kerris soit barré. Il devait avoir un truc super urgent à faire. Il doit être en train d'écrire un nouveau morceau, là. Et c'est pas ce que tu voulais? Qu'il aille mieux? Mieux, ouais. Mais pas à ce point-là. Johnny, me quitte plus jamais. Je peux pas vivre sans toi. Ça me déplairait pas si c'était un peu le cas. C'est bon, plus de dernière volonté? Non. Maintenant, on fait ce que tu veux. Je dois parler à Hanako. Vite. Ok. C'est toi qui choisis. Bon, on y va. Bon, avant d'aller voir Hanako, on a encore plein de quêtes, hein, parce que je sens qu'on est, très proche de la fin du jeu. Si je veux, à mon avis, là, je peux finir. Donc, on va faire vraiment les quêtes qui sont vraiment sympas. Mais en tout cas, ce récit-là était vraiment, vraiment chouette. Allez, je fais une pause. Je vous dis à très, très vite pour une aventure. Et sur ce, bah, portez-vous bien. Et à très vite. Ciao, ciao.